La côte normande est constituée de longues plages de sable alternant avec des zones de falaises. Mais la pointe du Hoc a ceci de particulier que si c'est bel et bien une falaise de 25 à 30 mètres de haut, c'est aussi un promontoire s'avançant dans la mer et permettant une vue dégagée sur 180 degrés, donc sur l'ensemble du littoral à l'est vers Omaha Beach et à l'ouest vers Utah Beach. Les Allemands l'ont bien compris et même s'ils ne pensent pas que les Alliés débarqueront dans cette région, ils ont grandement fortifié la position avec des pièces d'artillerie lourdes. Le 25 avril 1944, une puissante formation de bombardiers alliés en trois vagues successives tente d'anéantir la position allemande, faisant passablement de dégâts. Trois canons sur six sont hors d'usage. Les canons en état sont ramenés vers l'intérieur des terres et l'on place des canons factices à la pointe du Hoc. Nouvel assaut les 4 et 5 juin. Le résultat est excellent sur les canons, mais les bunkers sont à peine égratignés avec leur épais mur de 2 mètres. Les Américains doivent débarquer à 6h30 le 6 juin, couverts par un feu nourri de la marine et de l'aviation. Mais entraînés par le courant, les barges débarquent 2 km trop à l'est, créant un retard dans l'exécution de la mission qui aura pour conséquence que les renforts de Rangers ne seront pas envoyés sur place, imaginant que l'opération est un échec. L'escalade de la falaise se déroule plutôt bien, mais les soldats découvrent que les canons sont des leurres. Les combats vont durer jusqu'au matin du 8 juin, entraînant de nombreuses pertes en hommes. Sur les 225 Rangers débarqués le 6, 135 furent tués, blessés ou disparus. Notre visite commence à l'extrémité nord du site, au bord de la falaise où se trouve le bunker qui donnait les ordres pour les tirs d'artillerie, indiquant la distance et l'angle de tir, puis contrôlant si l'obus avait bien atteint sa cible. On y découvre aussi le monument en l'honneur des Rangers qui ont donné leur vie. Cette sorte d'obélisque fut construite après 1979, lorsque la France concéda ce terrain aux États-Unis. En chemin, on aperçoit les impressionnants cratères laissés par les bombardements alliés, mais aussi les encuvements qui devaient protéger les canons en attendant que les bunkers soient construits. En voici d'ailleurs un en état de conservation moyen, mais avec cette sorte d'escalier inversé de sourcil au-dessus de la fenêtre, que l'on appelait la casquette à Rommel. Ce processus rendait plus difficile la pénétration d'un obus ennemi. Lorsque les soldats de garde étaient au repos, ils logeaient dans ces abris souterrains. Alors, lorsqu'ils étaient de garde, je dis, hein, quand ils sont pas de garde, ils habitent chez l'habitant, sinon ils avaient des bannettes. Vous voyez ce qu'on a là, là ici, on a des crochets, voilà. Donc ça se rabattait en journée quand ils ne dormaient pas forcément. Mais sinon, c'est, vous aviez donc des couchettes hein, qui étaient tout le long comme ça. Vous aviez des poêles à chauffage, par exemple. Vous aviez un système aussi de communication de téléphone. À l'entrée, une cabine de douche en cas d'une éventuelle contamination au gaz moutarde. Cette victoire de la pointe du Hoc est à mettre sur le compte des très courageux Rangers et de leur colonel Ruder. Par leur action, ils ont épargné de nombreuses vies, empêchant les canons allemands d'arroser les plages de Omaha et Utah. Ils ont dû tenir 48 heures sans soutien logistique et humain. Leur devise en tant qu'unité d'élite, c'est d'ailleurs « Lead the way, Rangers », montrer le chemin, Rangers.